La Genèse, chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Mojirah et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit. Mon père. Et il répondit. Me voici, mon fils. Isaac reprit. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit. Abraham. Abraham. Et il répondit. Me voici. L'ange dit. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. L'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, Je le jure par moi-même, parole de l'éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix Abraham étant retourné vers ses serviteurs ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Bercheba car Abraham demeurait à Bercheba après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant Voici, Milka a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère Utz, son premier né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kessed, Azo, Pildash, Jidlaf et Beduel. Beduel a engendré Rebecca. Ce sont là les huit fils que Milka a enfanté à Nachor. Frère d'Abraham sa concubine nommée Réhuma a aussi enfanté Tébache Gam tahache et Mahaka.